7500 boules. Ah, j'avais pas fermé, je crois. Enfin, attends. Non, par contre... Ah non, j'avais pas fermé. Oups! J'ai rechopé du riz non moulu. Merde. J'ai enlevé. Ah, j'ai chopé le panais. Go musée. Ou sinon pêcher ailleurs, quoi. Parce que là, mon but, en vrai, c'est de me faire de la thune. En fait, il me faut de l'argent. Et pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur moyen de faire de l'argent, mis à part Twitch, ça reste quand même la pêche, quoi. Mélange de graines. Ah, mais quand je fais ça, je peux avoir du coup... Pourquoi tu gardes tes déchets dans ton coffre ? S'il te plaît. C'est mon droit le plus pur à ce que je sache. Genre, je peux pêcher là-dedans ou pas? C'est la surprise. Bien. Putain, j'ai utilisé mon dernier appât sur le vieux CD cassé, quoi. Journal détrempé. Bon, c'est nul ici. La pêche à Pisland, c'est pas génial. Hein. Il faut juste un autre plan d'eau. Là. Là, c'est sûr, c'est un banger. Bah oui, mais tu m'étonnes que je vais toujours pêcher au même endroit, putain! Putain, c'est trop grave ce que je suis en train de voir là. Allez! Oh! Mais c'est impossible de pêcher des poissons ailleurs que dans la mer, en fait! Impossible! C'est impossible! Je vais pêcher vers la déchetterie là. Ok. Pleurer. I wanna cry. OMG, un poisson. Oh non, je vais le rater du coup. Pas, bah, non, je suis trop le goat pour le rater. Trop le goat pour le rater. Et oui! Poisson lune. Ah bah c'est ce que je voulais en plus. Qui vous... Ah non. Ah merde, je suis pas allé au musée. Journal, lunettes, de la merde. Allez hop, ça dégage tout ça, hop là.
Putain, faut que j'aille au musée en plus. Qui voulait Démétrius. Démétrius, il est au nord. Merde, je passe pas par le bon endroit du tout. La pêche locale était un peu plus active, je pourrais augmenter le stock du magasin. Word. Shane. Pourquoi tu me déranges, j'ai envie d'être seul. Est-ce que tu veux... ça. Non. Ça. Je n'aime pas trop ça. Ok, mec. Putain, merde. Ok. J'ai pas de géode à péter, hein. Non. J'ai oublié de planter les mélanges de graines. Il y a tellement de choses auxquelles penser à chaque fois. Je suis un peu submergé, parfois. Sur la colline. Géode sur socle. Et graines anciennes. Graines anciennes, pourraient-elles encore pousser? Ouais, je vais jamais oser faire pousser ce truc-là, moi. Tu veux ça? Je crois que j'y suis allergique. Ok, Hervé. Faut que tu aies une morning routine. Putain. Du coup, s'il pêchait là-bas, lui, c'est que ça doit pas être trop de la merde, cet endroit. Putain, par contre, j'ai plus de place pour rien. Mon inventaire est submergé également. La plante pas tout de suite, en vrai. Ah ouais, pourquoi? Tu fais ça? Oh, je suis offensé, elle dit. Bonjour. Il n'y a que moi qui trouve qu'Abigail manifeste un certain malsain, un intérêt malsain pour les choses tristes et moroses. Peut-être que je suis trop âgé pour comprendre. T'as besoin de quelque chose? Juste un conseil. Ouais, bah d'accord, mais bon. Conseil. Merci The Spartatouille pour les 6 mois. Artikazan les 100 bits, merci Aynet pour les 30 mois. Twitix les 20, les 2 mois, merci beaucoup. Cet oiseau là, très mignon. Wow. Démétrius. Oh putain, Démétrius, j'oublie. Vous voyez, je suis... Ce jeu, il est pas fait pour moi. Hein. Je suis trop... Je pars trop à droite à gauche, en fait. Je réfléchis trop. Quoi? Pou? Quoi? Comment ça? Le stream lag un peu? Eh, si le stream lag un peu, faut pas dire F. Vous dites F quand c'est trop de la merde. Non, c'est bon. Ce B, si vous avez le stream pour voir. Ouais. Ok, il est là, lui. Tiens. Oh, tu as vu? J'ai publié un bulletin, j'apprécie ton geste. Voici ton paiement, comme convenu. C'était combien? C'était 90 balles, bon. On va voir, si les composants de la rhizosphère contiennent des niveaux suffisamment élevés de carbone 13, alors... Oh pardon, je réfléchissais à des données, et je ne t'avais pas remarqué. As-tu besoin de quelque chose? Ça ira, merci. Où est-ce que ça enlève mes relations avec les gens? Putain, mais genre, Démétrius, c'est mon deuxième préf, genre?
Tous les autres, là, c'est 1, à part Pam qui est à 4. Pam, je comptais même pas la serrer, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on va finir la nuit ensemble, quoi. Mais... à force de leur offrir des fonds de tiroir... Faut croire que c'est ça, hein. Quand je leur offre des algues, ils aiment pas, hein. Trop deg. Nuit dans le camping-car, hein, dans la caravane. Merci à Titi pour le prime. AEG super kilo 99 le sub. Castec, merci pour les 19 mois, merci beaucoup. Tu as déjà été dans cette étrange tour à l'ouest de ma maison? Une fois, j'ai entendu un bruit presque surnaturel venant de là-bas. J'éviterais cet endroit si j'étais toi. J'ai pris un peu de weed là-bas. Donc, il pêchait par ici, le gonze, là. Il était là quand il pêchait. C'est-à-dire que ça, c'est un bon coin de pêche, ça. Allez. Merci Cédrinef pour l'année, merci beaucoup. Allez. Ah. Merci à tous. Un petit cadeau en plus. Oui. Non, non, non. Non, il a pas eu le cadeau, je suis sûr. Dorade. Oh, il a pas eu le cadeau. Par contre, Dorade, ça a donné au centre, il me semble. T'en vois pas assez loin. Apparemment, ça change absolument rien. On m'a dit que ça changeait absolument rien, la longueur de la ligne. Si. Ah bon. Ça change rien. D'accord, ah oui. Ah oui, c'est encore un truc où vous êtes jamais d'accord entre vous, d'accord. Du coup, je ne vais écouter personne, en fait. Putain, mais je chope plus les dorades, là. Ça sort pour la qualité du poisson. Ah ouais. Allez, faut que j'aille au centre là. Oh, j'y pepe. Je n'y pepe plus. Et j'aimerais bien d'ailleurs récupérer un peu de bois et un peu de pierre pour les mettre au centre aussi. Ce qu'ils veulent que j'en mette. Piri 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 tu tu. Plus tu remplis ta jauge, plus tu lances le loin égale poisson plus rare. Ah ouais? Ok, je pensais vraiment pas. Voilà, le bois, les pierres, la vente. Attends. Voilà, parce qu'on va la garder pour le centre. Les algues, on vend. Bon, le réfort, on vend aussi. Le panache, je sais pas si je le garde ou pas. Cristal de terre. Mélange de graines, on va planter. On va arroser. Voilà. Fibre orange. Fibre faudrait que je vende, non? Améthyste, on va ranger. Sève. Quand il pêche, moi, je pense que ça vient de toi en vrai. Pour le coup, t'es le seul à le dire. Donc, je pense que ça vient de chez toi en vrai.
Là, il me semble qu'ici, il y avait la dorade. Hop là! Et il me semble que là, il y avait quelques trucs. Je sais pas si le renfort ou le panais rentre dedans. Ah, le panais, je l'ai déjà. Il faut du haricot. Un haricot vert. Ah putain. J'oubliais. Les paquets de récolte de qualité. J'ai un panais de bonne qualité. Damn! Il y a eu l'anguille alors que c'est pas si évident. L'anguille, je l'ai eu 3 fois de suite même. Mais j'ai l'impression que l'anguille, il faut qu'il pleuve pour qu'elle apparaisse. Est-ce que ça va être l'anniversaire de quelqu'un là? Oh non, c'est l'anniversaire d'Emily! Oupsie, est-ce qu'elle est au saloon ou c'est trop tard? Elle est là. C'est elle, Emily, hein? Tiens. Attends. J'aime coudre mes propres vêtements, mais ce n'est pas facile d'obtenir du tissu. Tiens, prends un chou-fleur. Un cadeau d'anniversaire? C'est très gentil de ta part, je l'adore! Ah! Et la ville est loin d'ici. Ouh! Pam! Pam ne répond pas. On a 4 cœurs, Pam, et tu ne réponds pas? J'aime décorer en fonction des saisons. Est-ce que tu veux une pépite d'or? Parfois, je me demande comment je me suis retrouvé dans cet endroit. Putain, mais la connasse, je lui donne une pépite d'or. Une pépite d'or! Elle est en mode non. Pour la peine, je vais fouiller les poubelles, moi. Est-ce qu'on peut vraiment trouver genre une dinguerie dans les poubelles? Genre parfois vraiment un objet de haute qualité quoi. Jeu d'arcade, bah il va être 23h50. Et il a la même heure dans le jeu que dans la vraie vie. C'est fou, non? Du coup, attends. Eh merde, j'ai pas allé dépoussiérer le bois et la pierre! Pff, je me fatigue. Je me fatigue. Je n'y pense pas, en fait. Je les prends exprès pour ça et j'y pense pas! Niveau 6 empêche. Eh. Nouvelle recette fabrication, le leurre. Nouvelle recette fabrication, le piège flotteur. Oh, ça a l'air bien, ça, le piège flotteur. Faut que je me fasse du blé. En fait, faut vraiment que je me fasse du blé, là. I need money, I need money. Là, faut que j'aille au centre. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Antoine Daniel! Merci, fermez là! Pour le sub, merci beaucoup. Pas pour le sub, pour le raid, pardon. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, on est sur Stardew Valley! Avec Funky Joe. I need more bullets. Elle est ma boulette. Il est d'or. Je les range, hein, tout ça. Attends. Vas-y, je vais ranger tout ça. Graines anciennes. Écoute, on va les stocker. Hein, puisque la personne m'a dit qu'il fallait mieux pas les... Oh, je dois me faire péter une géode, en plus. Ok. Bon, speedrun fermier SDF avance bien. Écoute, on se régale. Il est pas SDF, hein. C'est quand même Funky Joe de Peaceland à qui tu parles, là. Je vais me faire péter la géode là. I need it. I need it. Attends, c'est quoi ça? Allez. J'achète un achigan à petite bouche. À 3 fois sa valeur marchande. À me remettre en ma propre. Linus. Linus, il achète un truc à 3 fois sa valeur marchande. Clodo, lui. Bon, on va poulet. Poulet va bien. Poulet pond des œufs. Ah, du coup, autant aller directement au centre. Ensuite, on revient ici pour se faire péter la géode.
Ensuite, on va pêcher en hauteur. On va aller pêcher vers la... Vers la grotte. C'est pas mal. Il est milliardaire, c'est juste un lifestyle. Mais ça m'étonne pas, hein. Moi, la Linus, je le vois bien comme ça, hein. Pourquoi lui, il vibrouille? Il vibrouille. Alors, les pierres, c'est pas là, hein. C'est en bas, du coup. Et là, il faut re-99 bois. Et du bois dur. Et le bois dur, je sais pas comment on l'a, mais j'en ai un, mais je sais plus comment je l'ai eu. Ok, le temps que j'arrive en bas, il sera 9h pour se faire péter la géode. Les œufs MDR, quoi les œufs? Bon, oui. I don't understand, guys. Péter la géode, mais je veux aussi aller voir sur la plage s'il n'y a pas des trucs qui traînouillent. Envie de me docteur le Nozman. Ok. Allez, donc. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pète-moi la géode. De l'argile. Un seul d'argile. Putain, mais les géodes, c'est un peu décevant parfois. No offense, Doc Nozman. Doctonosman. Est-ce que vous saviez que Dr. Nozman, il fait des TikTok en japonais, où il parle en japonais uniquement? Le saviez-vous? Il n'est pas vraiment docteur en plus, oui, effectivement. On m'a proposé ça, je l'avais vu sur TikTok il y a quelques temps, et je l'avais oublié, ensuite on me l'a reproposé. Eh, rien sur la plage aujourd'hui. Je l'ai pêché là-haut. Et en fait, il fait des TikTok où il parle en japonais. Vraiment, lui-même, il parle vraiment bien. Et croyez-moi, je suis un expert. Il parle vraiment bien. Mais je suis en mode, mais c'est... Je savais pas qu'il voulait essayer de s'exporter là-bas. Étonnant, on va dire. Fouille les poubelles un peu, hein. C'est un fou du Japon comme toi. Peut-être pas comme moi. Je suis pas sûr que ce soit possible. Mais quand même. Il parle japonais. Il le parle pas mal, en vrai, hein. Moi, je m'en rends compte, hein. Mais là, tu le mets dans une conversation... Avec moi, il va rien capter au bout d'un moment. Arigato gozaimasu. Ça veut dire bonjour à tous. Tiens toi, je viens de choper ce truc là. C'est un cadeau formidable, merci. Tiens, et si je pêchais ici, moi? Bom dia. Bom dia. Oyo. Obrigado gozaimasu. Obrigado gozaimasu. Parfait. Oh. Une barbotte. C'est pas ce qu'il voulait, Linus? C'est pas exactement ce qu'il voulait, la barbotte? La tour de la barbotte? Antoine-san. Non, il voulait pas une barbotte? Ah, il voulait un chigan, petite bouche. Bonne mémoire. Et c'est ce que je vais choper exactement maintenant, messieurs, dames. Il résiste peu parce qu'il a une petite bouche, justement. Tout est logique. Le voici. Hop là. La carpe. La même chose. C'est un autre nom pour la chigan, petite bouche. Le jour de la barbotte, la tour de la barbotte. Ohio.
Ça, c'est les trucs qui vont aller au centre, ça. Comme l'oursin. Il faut aussi que je me fasse du blé, donc faut que je pêche à balle. Encore une barbotte. It bites. Allez. Fais pas ta merde. Le Chevesne. Chevenne. Jean-Pierre Chevesne. C'est la première fois que tu joues à Stardew Valley ? Non, mais c'est la deuxième fois que j'y joue en solo, là. Deuxième stream que je fais en solo dessus. Merde. Non, je regardais le chat ! Gros gameplay actuellement. Attends, c'est une dinguerie là, la pêche. La pêche, c'est le meilleur contenu du jeu. Comment oses-tu être cynique là-dessus? How dare you? En vrai, je crois que je suis jamais allé là. Ah, mais putain, c'est la guilde de mes couilles! La petite épée en acier là. Ah ouais. Les baskets. Oh waouh. Reviens me voir quand tu auras quelque chose à me montrer. Ronflement, ronflement. C'est-à-dire. Ouais, mais autant que j'achète pas les trucs dès maintenant en vrai. Comment l'équipement ? Botte en cuir. Mais j'avais pas une recette pour fabriquer ça, l'anneau solide. 25 viandes d'insectes. Deux lingots de cuivre et 25 slime. Je peux vendre des trucs ? Mais je sais pas quoi vendre, moi. Je peux pas vendre ma petite épée. Ah, par contre, j'aurais pu vendre mon... D'ailleurs, ma vieille épée, je peux la mettre en vente, maintenant. Elle me sert plus à rien. Je suis jamais allé là. J'avais jamais vu qu'il y avait ça. Je peux pêcher là-dedans. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être dingue en plus. Ok. T'es niveau combien dans la mine ? Niveau 20, je crois. Je crois que je descends jusqu'au niveau 20 pour l'instant. Attends. Ah. Non, 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 voilà. Oh putain, lui. Chevesne. Chevesne. Minerai de cuivre, 3. Ça, j'en trouve en veux-tu, en voilà quoi! Merci Das 144p pour les 3 mois, merci beaucoup. Even Paradise les 11 mois. Merci beaucoup. C'est l'anniversaire, merci. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Hein. C'est l'anniversaire de la chaîne Twitch. Barbotte. Bon, là, je pense que je vais me faire le blé là. Revenons au jeu. La sauce soja, c'est avant ou après le riz ? C'est juste après. Et vous savez, les sushis qu'on fait en France, comparé à ceux qu'on peut manger à Kyoto, c'est de la merde. Déjà, il y a trop... Il y a... Wouah ! La chigra grande bouche ! C'est pas ce qu'il voulait, lui ? Petite bouche, il veut. Putain. Tu es allé là-bas, Antoine, finalement ? Non, mais j'ai tellement vu. Ils mettent à peu près 150 fois moins de saumon sur le sushi.
en France pour des économies. Désolé, mais moi, mon sushi, je vais le bouffer au Japon, quoi. Je refuse de manger japonais en France, tout simplement. Hachigan grand bouche. Là, il y a beaucoup de Hachigan grand bouche, là. Merci. Ouktatal. Ah, c'est pour le Prime. Elio MDR, les 2 mois. Feel good, les 20 mois, merci beaucoup. Putain, mais j'ai que des records de Shoden, là. Je vais me faire un blé, là. Déjà, les vrais sushis, ça, je pense pas froid, hein, Antoine. Ah non, c'est clair. Ketchup, mayo. Et on est bon, quoi. On est parti, hein. Ketchup, mayo, le sushi. Hop là. On se régale, hein. Au micro-ondes. Ketchup, mayo, au micro-ondes, le sushi. En ça. Ça a l'air insane. Merde. Minutes au four avec du fromage pour gratiner. Miam miam. La cuisson du riz brûlé. En fait, la technique ancestrale, c'est de foutre le riz dans la casserole, mais ne pas mettre d'eau. Du coup, tu mets le riz sec dans la casserole, tu la fous à le max possible, sans eau. Je te préviens, c'est une dinguerie. Egg marine. Qu'est-ce que je jette? J'ai envie de rien jeter, là. Putain, en plus, j'ai des gros trucs de... Des glingos, là. Les algues vertes, ça dégage. Boum. Et hop, là. On va aller au centre. Après, tu fais un café riz. Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, tu sais, le sushi, je le trempe dans le café, quoi. Le matin, je me fais mon café sushi. Putain, c'est trop, trop bien. J'espère que Demetrius ne fera pas exploser la maison avec ses expériences scientifiques. Je ne sais même pas sur quoi il travaille. Je pense que ça a quelque chose à voir avec les plantes. Yes. Maru, hey, tu as bien progressé à la ferme cette semaine, apparemment. Les choses vont bien pour toi. Est-ce que tu veux... Une pomme de terre, ou de l'argile, ou un oursin, ou... Est-ce que... Attends! Est-ce que tu veux... Un truc que j'ai en plusieurs exemplaires. Genre ça! Tu veux? Vraiment, c'est très peu de succès pour Funky Joe, hein, en vrai. Est-ce que j'ai des choses, là? Non, hein. Si, je m'en rends pas compte. Non. Ah, le thon, je l'ai, normalement. J'ai pas chopé un thon? Revenons au jeu, bien sûr, mais est-ce que j'ai vraiment pas chopé un thon? Ah si, mais il est là. Non, bah non. Il me semblait. Barbotte. Carpe. Hachigan grand bouche. J'aurais pas dû le donner à l'autre. Résultat, je vais pas me faire tant de blé que ça. Bien deg. Le estrogen. Mais le thon, il me semblait l'avoir pêché. Trop deg. Ok. Tu sais comment on appelle la phobie du crabe, Antoine ? La crabophobie ? Voilà. Une autre question ? Dans ton sac à dos, tu peux te retrouver les petits cadeaux, là. Regarde, le Pokédex, il y est. Il est sûr que je l'avais, hein.
toute façon, ça, je vais pas vendre ça tout de suite parce que je vais le voir pour le musée. Chevesne. Chevesne, carpe, barbotte. Pomme de terre, on va garder ça. Argile, on va ranger. Et d'ailleurs, il faut que j'en récupère au moins un exemplaire pour le musée. Tout va bien. Oursin, bois. Est-ce que je couperais pas un peu de bois parce qu'il m'en faut encore pour le centre là. Quoi à droite de mon sac? Qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac, tu dis? Organisé. Là, ça, c'est pas mal. J'avoue. Ok, j'ai suffisamment de bois. J'ai très clairement le temps d'aller au centre. J'ai très très clairement le centre. Il n'est que 23h, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était en bas. Hein. Comme ça, au moins, j'oublie pas. Boum! Et il faudrait 10 bois durs. Par contre, j'ai vraiment plus que 5 bois normal, quoi. Je ne compte pas mes heures, auto-entrepreneur, tout à fait. Oui, il se fait tard, je sais. Je vais juste vérifier si ça va pas être l'anniversaire de quelqu'un. D'accord, ok. Eh ben, je sais pas. Voilà. Petit patron, mais patron de moi-même. Merci Tamika pour les 31 mois, merci beaucoup. Hop là. Ah, je suce. 821 en pêche. Pouah, oh la dingue. Et si j'avais pas filé mon poisson à Maru. Oh, premier jour de l'été. Ah, mais en fait, c'est un mois. Un mois égale une saison, c'est ça? Ah, mais là, alors là, du coup, mes récoltes sont dead, là. Non? Non? Là, mes récoltes sont finito, là. Viens au magasin pour voir les nouvelles cannes à pêche que je vends. Ce sont les meilleures que l'argent puisse acheter. Et tu peux les personnaliser avec différents types de matériel. J'espère te voir bientôt, Willy. Ok, donc il faut que je vire toutes ces merdes, en fait. Ok, du coup, faudrait que je plante les trucs que j'ai qui sont des trucs d'été. Genre... à planter en été. Graines de melon en été, j'en ai 9. La musique, elle est sympa.
de l'argile là. Hop là. Du coup, vu que c'est... Attends, pause. Vu que c'est le premier jour de l'été, est-ce qu'il faudrait mieux pas que j'aille acheter des graines maintenant, des graines d'été, là? Oui, ok, voilà, ok. Attends, les graines, c'est qui les vend? Je sais plus qui vend les graines. Ah, c'est, bah, c'est chez Pierre, non? Ouais, c'est ça. T'es un génie? Oui. De 9 à 9 heures. Donc, on va aller sur la plage vite fait pour checker un peu. Et la musique de l'été, elle est sympa comme tout, eh! Putain, mais Shane! Shane, what the fuck? Pourquoi tu veux pas me baiser? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et l'été est sans aucun doute la meilleure période de l'année. C'est formidable, car la saison ne fait que commencer. À plus tard. Ah, mais il y a des plages. Pas des plages. Des serviettes sur la plage. Ah, encore ce truc. Encore ce truc bizarre. Je voyais un petit courant marin. Du coup, j'en profite. En plus, ça va être des poissons un peu différents. Ça va être des poissons d'été, non? Le tilapia. Le flétan. Ah merde, y a plus rien. Ok. Oh, monsieur le maire. Je vais aller au musée et ensuite on va aller chez Pierre et ensuite on va planter les graines. Le musée, il est en bas. Commence à avoir un petit peu de gueule, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Et moi, je trouve un peu. Hop là, bouquin. Pour le musée, en plus. Une dingue. Toi, tu veux ça. Dégoûtant, d'accord. Putain, mais... Alors, melon, c'est bien. Qu'est-ce qui est le plus opti, le chat? Myrtille, melon? Poivron? Myrtille. Myrtille, ouais. Vous avez l'air plutôt unanime sur la question, je vais en prendre genre 12. J'y pense.
Au moins un de chaque pour le centre. Ouais, t'as raison. Sauf que j'avais plus de place dans mon inventaire là. Et du coup, tout ça, mis à part ce que je mets au centre, c'est des trucs que je devrais vendre, quoi. C'est principalement ça, hein. Le but, c'est de faire de l'argent, hein. C'est ça le but du jeu, c'est le fric, hein. Le but, c'est de passer un bon moment. Et moi, je ne passe qu'un bon moment que si je me fais de l'argent, messieurs dames. Riche à avoir une femme, ok. Je vais tenter de faire ça alors. Je passe un bon moment ce soir. Bah franchement, plutôt ça va, et vous? Là. Poisson de rivière, non. Tilapia. Pareil, bah, c'est super, j'ai envie de vous dire. Le doré jaune. Et donc tout ça, je vais le vendre en fait. Bah autant aller pêcher des trucs dans la rivière, genre en haut quoi. Tu peux être millionnaire dans le jeu. Toi, tu veux ça, toi. Putain! Oui. Anniversaire 6 ans, c'est respectable. Ça va. Ça va, 6 ans, c'est pas mal. Toi, t'es beaucoup moins difficile. Un cadeau comme c'est gentil, tu vois, il est trop sympa, lui. J'ai envie de crever. Pardon. On va pêcher ici. C'est quoi les meilleurs investissements qu'il faut faire? Les graines? Autre chose? Les NFT? Les animaux et les arbres en vrai. Les graines, le fromage, la crypto, le bitcoin, la mayo. Ah mais là je vais choper que de la chevesne. Que ça, j'ai l'impression quasiment. À ce moment du jeu, poule plus machine à maillot. La machine à maillot. C'est vraiment ça le play, quoi? C'est la machine à maillot? Merci Grenouille 82 pour les 4 mois. Razalune les 10 mois, merci beaucoup. Le play, c'est vraiment la machine à maillot, quoi. Maillot égale stonks. Ah ouais. L'été est arrivé, mais ce n'est pas vraiment ma saison préférée. On sent trop que elle est pas comme les autres filles. Elle, sa couleur préférée, c'est pas le rose. Non, 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 non. Elle, c'est le noir, probablement. Et elle écoute pas de la musique commerciale à la radio. Non, 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 non. Elle, tu sens qu'elle écoute du rock des années 70. Je le sens. Elle est plus team hiver que team été. Tu le sens? Ah ouais, 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 ouais. L'air est si humide que j'ai l'impression de flotter dans de la soupe. Ah. Est-ce que tu veux
un gland. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Eh ben, tu vas aller faire foutre alors, je suppose. Quoi, j'ai le droit de lui offrir un gland si je pense que ça lui plairait. Finalement, bon, écoute. On peut pas viser dans le mille à chaque fois. Attends, je vais acheter des trucs chez Pierre. Qu'est-ce que j'ai pas acheté ? Je sais plus. Il y a un peu moins de pollen en été, c'est mieux pour mon nez. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça te dit, ça ? C'est intéressant. Ah merde ! Il est plus là ? Mais... Pierre ! Come back ! Le magasin est fermé le mercredi. Ah, et je suppose que... Et on est lundi. N'oubliez pas s'il lui a besoin de quelque chose. Mais pourquoi il revient pas à son comptoir ? Trop tard ? Ah, c'est jusqu'à 17h ? Ah. Oupsi, vous n'êtes pas assez, pas assez proche d'Abigail. Ok, il lit pas beaucoup le chat. Non, je le lis pas du tout même. Pourquoi est-ce que je le lirais ? Pourquoi est-ce que je lirais ce tas d'inepties inintéressantes alors que je peux tout à fait dire des choses extrêmement intéressantes à haute voix moi-même ? Des choses passionnantes qui passionnent les foules ? Pourquoi est-ce que j'écouterais le chat ? On se demande, hein. Attends, je vais aller pêcher dans la rivière. Je rigolais, t'inquiète. Non, moi, mais moi, non. Moi, je ne rigole pas. Moi, le chat... si je pouvais faire des streams tout seul... je le ferais. Hein. Parfois, je joue aux jeux vidéo hors live et je m'écoute parler. Et c'est tellement bien, putain. Je vous conseille. Hein. Allez ! Ça mord. Putain, mais il n'y a que des chevesnes. Je suis en run only chevesne, quoi. Ça dépend des heures où tu pêches. À la mer. Bah non, justement, je voulais des poissons de rivière. Tu subrais à ta chaîne si tu pouvais. Bah ouais. Hein. Si je pouvais, je le ferais. Hein. Oula. Oula, 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 oula. Attends. Ouh là là ! Ouh putain ! Oh mais sa mère ! Ouf ! Le brochet ! Avec un fossile d'amphibien ! Nice ! Premier brochet. Ok, est-ce qu'ils veulent un brochet là-dedans ? Brochet ressemble à quoi ? Brochet ressemble à ça. J'ai pas l'impression. Non. Putain, faut que je le vende le brochet.
pas ça. Merde, non. Je peux rien faire avec ça. Un appagnon sur la place du village. Mais déjà que Funky Joe est assez impopulaire, si en plus de ça, il fait un appagnon sur la place du village, je ne saurais que faire de lui. Hein. Un érable. Il fallait pas arroser, on s'en bat les couilles, ok. Funky Joe sous-côté. De fou. Oh waouh. Je me suis fait 870 balles. On va bientôt retourner à la mine, je pense. Ça va ? Hop là. Poulet. Il n'a pas l'air très bonne humeur aujourd'hui. De l'herbe, elle aime ça. Il va falloir que j'aille acheter des nouveaux trucs. Des nouvelles graines. Une graine. Les œufs, j'en fais quoi? Je les garde ou je les vends? Garde. Ah, ça sera pour la maillot. Ok. Je vais aller faire un petit tour sur la plage, comme tous les jours. En attendant qu'il soit 9h pour aller à la fois chez Pierre et au musée. Putain, mais y'a rien. La plage est devenue décevante. Rien sur la plage. Une pierre. Ah, il y a ça que je peux donner au centre. Ça, ils en voulaient au centre. Et pour ce qui est de la machine à mayonnaise, c'est où ? Machine à mayonnaise, 15 bois, 15 pierres, un cristal de terre, un lingot de cuivre. Transforme les œufs en mayonnaise. Et la mayonnaise, elle sert juste à être vendue, c'est ça? Oui. Ok, je vais me la fabriquer alors. Ok. Il y a un nouveau truc là. Ça va être bientôt l'anniversaire de Jas. Le sorcier Monsieur Rasmodius souhaite étudier les propriétés arcaniques de carpe. Ou pour offrir. Ok, ok. Des tomates, j'en ai pas pris. Je vais en prendre genre 8. Du blé. Graines de houblon, graines de maïs. Mais radis, j'en ai déjà pris. Radis, j'en ai déjà. Melon, j'ai déjà.
Un autre restaurant, j'en prends deux. Quand ton poulet t'aime, il te donne des œufs étoilés. Du coup, tu peux faire des mayonnaises Tonks. Ok, ok. Merci Plasma Mika pour les 21 mois de sub tier 2. Merci beaucoup. Futur arbre, ça? Beau champ. Dans le Val-d'Oise, ça. Pas symétrique, ouais. Dommage. Dommage, ça. Des pierres. J'en ai encore. Attends, il me fallait quoi? C'est lequel? 15 bois, 15 pierres, cristal de terre, lingot de cuivre. Alors pour ce qui est du cuivre, c'est là-dedans pour faire le lingot, je crois. Ah, il faut un charbon. Il fallait quoi d'autre? Pierre, cristal de terre. Cristal de terre, j'ai. Et les pierres, je peux en récupérer rapidement. Ah, mais une huître. Il fallait que je la mette dans le centre. Pierre, j'ai. Bon anniversaire de chaîne, merci les gens. Parce que pourquoi vous dites tout ça en même temps, mais merci. Les graines anciennes, faudrait peut-être pas que je les... Pas maintenant. Là, c'est pas prêt encore. Hein. Merci qui suit l'ISAD pour le sub offert à la communauté, merci beaucoup. Hop, du coup, là, je peux faire... La machine à mayonnaise. Là. Et du coup là-dedans on va mettre des œufs. Non. Merde, je peux pas le... Je peux en mettre qu'un seul dedans, c'est ça? Un œuf par un œuf, ok.
Alors, je vais aller au musée, parce que j'ai un truc à donner. Ensuite, je vais aller au centre là-haut. Merci Cheyenne Chip pour le Prime, merci beaucoup. L'énergie au secours, ouais, je sais. On a planté beaucoup de trucs, donc forcément l'énergie ça pompe un petit peu quoi. Ah. Genre, le fossile amphibien, je l'ai déjà donné? Ah oui. Du coup, le fossile amphibien, vous me conseilleriez de le vendre? Merci Eterna. Merci beaucoup. Okay. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, Florence! Il a fait le buzz avec un double Z. Mais la cam, bien sûr. Merci pour le raid. Merci, j'espère que ça s'est bien passé ton live. Merci beaucoup. Et je voulais aller au centre communautaire. Merci pour le raid. Hop là, produit de la mer ici. Là. Hop. Moule huître. L'huître. Hop là. Voilà. Merci Demoboros pour les 25 mois, merci beaucoup. J'ai follow il y a exactement 6 ans. C'est vrai? Je peux vérifier ça, Cadimel. Hein. Follower depuis le 18 janvier 2018. Oh waouh, c'est absolument vrai. Absolument vrai. Ouais. Ancienne toi, hein. Le lendemain en plus, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, la maillot, elle se fait vite ou pas? Tout à fait. Ah voilà, donc là j'ai la mayonnaise. Je vais mettre un autre œuf. En plus c'est un œuf de haute qualité. Et là j'ai un autre œuf de bonne qualité. J'ai des œufs de moins bonne qualité là. Ok. Je sais pas combien de temps ça se fait ce truc là. On est d'accord que le cuivre, les morceaux de cuivre là, merde, ils sont... Attends. Je les ai sur moi ou pas? Non, je les ai rangés. Les morceaux de cuivre, minerais de cuivre. Ils ne servent qu'à faire des lingots de cuivre. J'aurais pas d'autre utilisation pour faire des minerais de cuivre. Donc autant en faire. Ça dépend, il y a des crafts avec. 6 fournaises. De toute façon, il faut bien que j'en fasse un petit peu. Oh, le chat! Merci le samouraï du tournesol pour le subwoofer à Cadimel, merci beaucoup. Certains crafts veulent des minerais bruts. Ok, je vais quand même en faire quelques-uns des lingots. Un arrosoir en cuivre. À quoi ça sert d'avoir un arrosoir de plus haute qualité? Il peut juste contenir plus d'eau, mais on s'en bat les couilles, j'ai le lac juste là. Lingot ultra important, ouais. Ouais, j'en ai déjà, ouais, je sais, j'en ai 8 là. J'aimerais bien en avoir au moins 10. Putain, par contre, c'est long à faire la mayonnaise. Et tu peux raser plusieurs tiles au lieu d'un. Ah, il arrose plus de cases. Ok, ok. Du coup, ça dépense moins d'énergie, je suppose. Merci Kaelistra pour les 42 mois, merci beaucoup. Putain, la mayonnaise, c'est long. Peut se tartiner.
Là. Voilà. Argile, bois. Minerai de cuivre, on va ranger. Pierre également. Putain, mais je comptais faire le deuxième œuf, mais. Le deuxième œuf de haute qualité, mais je vais même pas avoir le temps, en vrai, si. Ah. C'est 2 heures pour la mayo. Ah ouais, 2 heures in-game, bien sûr. Quitte à être là, autant faire un peu de ça. Il va falloir que j'aille augmenter mes... Oh là, putain, mon énergie. Pardon, je suis en train de crever. Merci tonton, la mayo pour le sub. Tu kiffes le jeu? Ah ouais, j'adore. J'aime trop. Je trouve ça vraiment sympa, là. Ferme la porte du poulailler la nuit pour éviter les renards. Ça marche vraiment, ça? Poulet, essaye de dormir. Merci Xeru... Xerutiti. Merci pour les 4 mois, merci beaucoup. Putain, on s'emmerde là, hein. Allez, la mayo! Et ensuite, le dernier œuf, on va juste le laisser dedans, quoi. Pour la nuit. Putain, pitié. Merci Battle Tomboy pour les 2 mois. Et merci pour le train. De la hype. Merci Mademoiselle Foxtrot pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Patrick Balbé. Attends, est-ce que je vendrais pas ma vieille épée d'ailleurs? Surtout ses soutiens. Ah, je peux pas la vendre ici. Faut que je la vende au gars au-dessus là. Ok. Merci Gaspard Savonneux pour les 3 mois. Merci beaucoup. Donc la mayonnaise, combien ça rapporte ça? Pas mal, effectivement. Pas mal. T'allais dormir avec l'œuf? Non, non, j'en avais 2. Il y en a un que j'ai mis dans la machine, et l'autre, bah, je l'ai sur moi encore, parce que je pouvais pas le... Il y a eu un tremblement de terre pendant la nuit? Et donc? Tout le village est dead, là, j'ai l'impression. Hop là. Bonjour Funky Joe. Ça fait longtemps que je suis sans nouvelles de toi. Les choses n'ont pas beaucoup changé à la maison. Tu me manques beaucoup. Je t'aime, maman. PS, j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent que grand-père t'a laissé. 500 balles. Nice. Sachant que grand-père était millionnaire, je trouve ça un peu radin, mais bon. Funky Joe, c'est un peu embarrassant. J'ai perdu mon short violet porte-bonheur. Je vous le dis parce que je pense pouvoir vous faire confiance. Si vous le retrouvez, rapportez-le moi discrètement, je paierai bien. Le maire. Le short violet du maire. Ok. Merci Euphoria pour les 15 mois, merci beaucoup. Et du coup, je vois pas trop la diff au niveau du tremblement de terre, quoi.
La terre, elle a tremblé. Non, mais bien sûr. Hein. Vous savez que je n'ai jamais vécu de ma vie un tremblement de terre, IRL. Jamais, jamais. J'en ai vécu trois, c'est pas super. Je pense que ça dépend de la magnitude, mais ça doit être assez impressionnant, effectivement. Faut aller au Japon, toi qui es si fan. Justement, si t'avais écouté, t'aurais su que je me refusais. Ok. Mais ça, je vais le vendre en fait. Pourquoi je l'ai pas vendu? J'en ai pas d'autres d'ailleurs. Non. Si. J'aimerais bien aller dans la caverne, mais j'ai plus à manger. Putain, mon énergie abaisse tellement. En vrai, faudrait vraiment que j'augmente mes... En fait, faudrait vraiment que je disais ça pour la blague tout à l'heure, mais faudrait vraiment que j'augmente mon arrosoir, parce qu'en fait, c'est lui qui me fait baisser mon énergie, une dinguerie, en fait. Genre là, j'ai juste fait arroser, je suis à la moitié de mon énergie, quoi. C'est trop un truc de fou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Coquille arc-en-ciel. Trop important, ouais. Et du coup, pour améliorer les trucs, faut que j'aille chez le forgeron, c'est ça? Et je crois qu'il me faut des lingots de cuivre dans tous les cas. Donc faut que je retourne chez moi et que j'aille récupérer des lingots de cuivre. Forgeron, lingot plus thune. Ouais, c'est ça. Tu n'auras plus ton arroseur pendant quelques jours, par contre. Attends, car ton arroseur ne sera plus disponible pendant plusieurs jours. Ah bon, mais... Mais du coup, je le fais à quel moment? Faut checker la météo. Attends, non, attends. Et comment je vois la météo? À la télé. Bulletin météo. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Et c'est la météo. Demain, il fera beau. Ce sera une journée ensoleillée. Je le vends ce truc là. Ça, le coquille arc-en-ciel. Parce que dans l'aquarium, y'a rien. Ouais, non. Je fais l'upgrade en hiver. Mais attends, mais on n'y est pas du tout. Et en attendant, en plus, ça me fatigue, quoi. Musée? Non, ça sentait que c'était pas pour le musée. Enfin, il y avait écrit. Je sais plus. C'est pas rare de toute façon. Ouais, ça a l'air de ne pas être rare. Le plus opti, c'est le tout arrosé. Regardez s'il pleut demain. Si oui, améliorer car ça prendra 2 jours. Ok. Cela doit être agréable de voir tes récoltes évoluer depuis l'état de graine. C'est comme si les plantes étaient imprégnées de ton essence. Et je n'ai rien à t'offrir, mon bro. Bon, demain, dans tous les cas, je vais aller
Je vais aller à la mine. Attends. Merde, il est pas là. Ah si. Ahoy. Ah, il y a une cinématique. Entre et fais comme chez toi. Ouais, c'est de la bonne qualité ça. Les poissons en raffolent. Par contre, n'oublie pas de bien te laver les mains après les avoir mises dans ce jus. L'odeur est connue pour persister jusqu'à 7 semaines, mon petit. C'est du surstreaming, le truc. J'ai entendu dire que tu attrapes beaucoup de poissons. Oui. Ah, un garçon comme je les aime. Tu peux toujours faire confiance à un pêcheur. C'était le dicton préféré de mon grand-père, héhé. Eh bien, continue comme ça. J'ai une récompense très spéciale pour toi si tu attrapes tous les poissons dans ces eaux. Quelles eaux? Les eaux du jeu ou les eaux de la mer à côté de lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, les affaires ont été difficiles ces derniers temps. Tout a commencé à peu près au même moment où l'ancien centre communautaire est tombé en ruine. Mes poissons ne se vendent plus aussi bien qu'avant. Je travaille deux fois plus pour joindre les deux bouts. Je n'ai plus pas de temps pour travailler sur mes projets personnels. Mais si les affaires reprennent un peu, j'aurai peut-être le temps de te montrer quelque chose. Hé hé, ouais, elle est là-bas, cette bonne vieille fille. Elle a connu des jours meilleurs. Un jour, mon petit, tu comprendras ce que je veux dire. On parle d'un bateau à tous les coups. Attends. Le casier à crabe, 1500 balles. Placez-le dans l'eau, remplissez-le d'appât et vérifiez le lendemain si vous avez attrapé quelque chose. Fonctionne dans les cours d'eau, les lacs et les mers. Le leurre. Fibre de verre, celle que j'ai ou pas? Je crois que c'est celle que j'ai. Ah oh, putain, l'iridium. Est-ce que le leurre, quand je l'achète, augmente légèrement le taux de touche quand on le pêche? Est-ce que c'est un consommable ou il est juste posé sur la canne à pêche et genre il reste? Oui, conso. Il s'use. Ah, mais je vais pas acheter un truc qui s'use à 500 balles, là. Donc non. Oui, conso, mais dure longtemps. Ok. Écoute, pour l'instant, je vais rester comme je suis. Reste comme t'es. Oh! Y'a pas un bon coin de pêche là? On voit plus les bons coins de pêche. Bien deg. Allez! Je peux le fabriquer, non? J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Tilapia. Forme du cuivre dans l'idéal, c'est trop fort pour comme ressource. Ouais, bah, de toute façon, je compte retourner dans la... Moi, je veux retourner dans la mine, là. Merci, Euphoria, au fait, pour les 15 mois, merci beaucoup. Oh, le rouget. Jamais eu ça. C'est bien ça. Je sais pas s'ils en ont besoin au centre communautaire. Dans ce jeu, si tu trouves que c'est trop cher, souvent faut pas l'acheter. Ouais, mais je me dis, c'est peut-être super utile, tu vois. Genre là, la prochaine canne à pêche, elle est à 7500 balles, j'ai quand même envie de la prendre. Oh, oh, j'ai même envie de la prendre. Ah, c'est un thon. Qui voulait un thon? Non, c'était au centre communautaire qui voulait un thon. Il faudrait aussi qu'on cherche le short du maire, là. La canne à 7500, c'est cool pour le coup. Ouais, je me doute. Je me doute bien. Jacola. On est d'accord que ça se vend zéro, ça, hein? Le gros slope du maire, tout à fait. Ah, ça se boit.
Oui. Hop là, le rouget. Tu peux l'offrir à certaines personnes. Garde-le pour la mine. Ouais, t'as raison, je pense que je vais garder pour la mine, effectivement. Oh! Le bois flotté de ses morts. Elle a un petit trésor avec? Non. Ça, c'est un ton encore. Non. En vrai, boire un coca trouvé en pleine mer, je suis pas sûr du dos. C'est pas un coca, c'est un joja cola. Rien à voir. Bien meilleur. Merci mademoiselle Essia. Merde. Pour les 23 mois, merci beaucoup. Non. Minerai d'or, géode de lave. Waouh, je vais l'apporter tout de suite. La géode de lave. Je vais faire péter la géode de lave. Je vais me docteur le Noseman là. Oh, c'est à 16h, putain! Mais d'où il ferme à 16h? Qui ferme à 16h, putain? J'ai juré. Les impôts. Très bien vu les gens. Le ton. Est-ce que le rouget il est quelque part? Je n'ai pas l'impression que le rouget. Non. Par contre le vivano rouge. J'ai bien envie d'être pêché lui. Je le sens. Je sens que le vivano rouge. Mais du coup, les pépites d'or, faudrait aussi que je les fasse cramer pour faire des lingots d'or, non? Qu'est-ce que tu m'as dit? Il est déjà 17h50, mon dieu. J'ai encore tellement de choses à faire. Oui, mais un peu tôt. Ouais, dans tous les cas, je vais les garder. Il en faut 5 pour faire un lingot. Bah, c'est exactement pareil que pour le cuivre. Du coup, je vais continuer un peu à pêcher vite fait. J'aimerais bien me faire de l'argent. Est-ce qu'il y a un meilleur spot de pêche par là? Oh! Je suis venu écouter le bruit de la mer. Magnifique, n'est-ce pas? Eh oui. Et le short? Bah, le short, je pense que j'ai plusieurs... je peux le trouver un peu quand je veux, non? Il ouvre à quelle heure le matin, le forgeron? Je pense vers 9h, non? De toute façon, demain, j'aimerais bien vraiment aller dans la mine, en vrai. Allez. Maintenant. 3. Du coup, c'est lui le petit poisson rouge que je veux choper. Oh putain. Putain. Je t'en supplie. Arrête!
Je l'aurais pas. C'est trop dur! Putain, je suis trop deg! C'était ultra dur. Ouais, bah lui, par contre... Ouais, voilà, quoi. Flétant avec... Géode gelée. Putain, mais je chopais géode de lave et géode gelée fois 2. Dis donc, mais je me suis régalé, là. Il aurait été fou, lui. Mais c'est sûr. Mais je veux le retrouver, mais c'est juste que... Je suis pas assez fort pour l'avoir, en fait. Je joue pas assez bien, enfin, c'est méga dur, je trouve. Avec un chapeau, c'est un légendaire. Comment ça, avec un chapeau? Il avait un chapeau, le poisson? Encore un petit jauge à cola. Ça nous servira pour dans la mine. Ouais, sur son icône, ok. Ouais, de toute façon, ça va être mon dernier truc parce que là, mon énergie... LOL. De toute façon, il n'y a plus rien. Allez, hop. C'est ciao. Oui, t'as eu une chance de dingo d'en trouver un. Bah, du coup, je suis encore plus deg de l'avoir laissé passer, quoi. Mais c'était vraiment trop dur. Zamer. Un vilain pack opening. Sur ma save de 110 heures, j'en ai jamais vu un seul, je crois. Bah, ça veut dire que j'en verrai plus jamais. J'en verrai plus jamais. Alors, mayonnaise. Flet rouget, flétant, tilapia, bois flotté, algues. Voilà. Attends, j'ai pas loupé un œuf. Non. Oh, le chat! Mais là, je vais me faire un blé pas possible, là. 2448 balles. Chiche. Ah, il est de plus en plus de bonne humeur. Bon, il est temps de... juste de baiser son énergie, quoi. On va réarmer démographiquement le village. Oui, je vais checker la météo. Putain, mon énergie, quoi. Pardon, poulet. Soit poulet. Ok. Arranger ça. Il faut que j'aille péter, me faire péter la géode. Je vais boire mon Joja Cola, là. C'est trop nul!
putain, j'ai oublié la météo. Oh là là, vraiment, ma mémoire. Ma mémoire. Ça redonne zéro énergie, bah ça redonne pas grand chose, hein. Il fera beau, et demain. Merde, attends. Oui, d'accord. Demain, il fera beau. Putain, mais il fait tout le temps beau dans ce jeu! C'est l'été, oui, bien sûr. Je pense que je vais quand même aller dans la mine, hein. Le but, c'est de descendre de 5 niveaux. Alors. Putain, juste un minerai de cuivre. Ah. La géminite. J'en ai déjà donné ou pas au musée? Et des pierres. Putain, Osef. Ah si, je peux donner la géminite, là. Boum. Merci Kamaï. Patrick Balkany. Pour les 5 subs offerts à la communauté, merci beaucoup. Sur tous ses soutiens. Merci à toi. Bon, je vais à la mine, hein. Au pire, je meurs. Regarde combien coûte l'arrosoir à être là. Bah dans tous les cas, ça sert à rien. Ça sert à rien puisque pour l'instant, tant qu'il pleut pas, je peux pas trop me séparer de mon ancien arrosoir. Tu as besoin de quelque chose? Et direction 25. Je vois le truc. Mélange de graines. Carotte des cavernes. Oh. Comment on attrape ce truc ? Champignon rouge. Pacifiste, ouais, de fou. Tant qu'on m'oblige pas, j'y vais pas. Hein. Bon, lui, il m'oblige. Faut pas me faire chier. Tu m'as jamais vu quand je suis énervé. Attends, je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-haut, juste. Dégage. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Oh, allez. Quartz. Ok, bon. Oh là là. Et franchement, j'ai speedrun le niveau 25 là. C'est très grave mon niveau au jeu. C'est du jamais vu, je pense. Hein. Clippé. Hein. Pour popcorn. Ah!
quelqu'un va se battre. Petite bombe. Viande d'insecte. Ah mais oh putain, il y a plein de trucs là-bas. Il y a moult choses ici. En fait, rien de très intéressant, j'avoue. J'aimerais vraiment trouver l'escalier là. Parce que là, mon énergie. Je pourrais manger ça. Pas fou. Putain. Elle est où l'échelle ? Je disais que je l'avais speedrun le truc, mais en fait... Ah, voilà. Ok, bon, on va remonter. Ah oui, mais c'est souvent... C'est sur les nombres ronds où ça devient intéressant. Ça sera à 30 quand ça sera intéressant. La géode ? Quelle géode ? J'ai raté une géode ? Bah écoute, j'ai pas reconnu. J'avoue ne pas avoir reconnu. Le champignon rouge, est-ce qu'il est pris quelque part ? Oui. Champignon rouge, c'est ici. Est-ce que tu veux une carotte ? Putain ! D'ailleurs, la carotte, est-ce que... J'ai pas fait gaffe pour la carotte. J'ai pas l'impression. Ah si, carotte des cavernes aussi. Je voulais pas aller chez les aventuriers. Si je voulais aller chez... Ah si, t'as raison. Je voulais aller chez les aventuriers pour vendre ma vieille épée. Mais recueilli au centre communautaire, tu peux voir dans ton inventaire à droite une case avec un arbre qui s'agite. Bon ça. Ah, quand je passe dessus. Ah oui, t'as raison. Ah oui, effectivement, ok. Effectivement, merci du tip. Ça a l'air un chouïa clacac ce jeu, non? Ouais, c'est trop de la merde de fou. C'est insane à quel point c'est à chier. C'est vraiment trop, trop nul. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde de fou. Je te conseille de pas regarder le live, hein. C'est vraiment trop mauvais, hein, je pense. Je pense, en tout cas. Après, c'est juste mon opinion. En vrai, c'est incroyable ce jeu. Je crois pas, non? Je crois que c'est à chier, en vrai. En tout cas, le mec, il a dit ça, hein. Fruits de cactus, champignons violets, morilles, goudron de pin, résine de chêne, sirop d'érable, noix de coco. Alright. Qui jouerait à ça? Franchement, je sais pas. Hein. Hop. Ah mais attends, il y a un truc là.
C'est l'anniversaire de la petite, là. Je recherche quelqu'un pour m'apporter 30 unités de minerai de cuivre dans le cadre d'une étude géologique locale. Clint, 300 balles à livraison. Vous regardez les minerais quand Clint les aura examinés. Clint, c'est le forgeron, c'est ça? C'est ça, hein. Mais attends, mais la petite, faudrait que je lui offre un truc avant de... Parce que là, de toute façon, c'est trop tard pour le forgeron. Mais jamais je la trouve, en fait. À 19h, je sais pas où elle est. Elle est pas dans cette maison, genre. Non. Ce qui est frustrant avec les tâches ménagères, c'est qu'on n'en voit jamais le bout. On nettoie le sol, et il est de nouveau sale le lendemain. Parce que c'est sûr que je vais pas la trouver au bar. Hein. Merde, je sais pas où elle est. Eh bah, je sais pas. Non mais le forgeron, d'accord, je peux le trouver au bar, mais moi c'est la petite que je cherche. Chez les poules. Ah, c'est là-bas qu'elle est. J'avais oublié qu'elle était chez les poules. Les poules! Chez elle, mais oui, mais je sais plus. En fait, je sais pas où habitent les gens exactement. Eh bah, tant pis. Je ne lui aurais pas souhaité son anniversaire. Voilà. Les poules habitent chez elles plutôt. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Ah oui, il y a la mayonnaise. Boum. Mélange de graines, il faudrait peut-être que je m'en occupe. Merde, l'arrosoir, je l'ai... Je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Oh. Oh, désolé, hein, c'est moche. Hein. Osef. Osef. C'est un bébé arbre. Un arbrisseau. C'est quoi ça? Ah oui, c'est de la viande d'insecte. Minerai de cuivre. Attends, je récupère ça, je range ça, 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 ça. Et attends, j'ai un autre truc là. Quartz. Ça, je suis sûr que je l'ai déjà donné, donc je vais le vendre. Je vais juste aller au bar vite fait, lui filer le cuivre là. Faire des appâts avec la viande. Ah. Faut miner du cuivre, pas lui en offrir 30. Ah. Bah non, je cherche... Ah, 0 sur 30 minerais de cuivre collectés. Ah, t'as raison, t'as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, et j'avais tort. Merci Elaiki pour les 2 mois, merci beaucoup. C'est vrai que c'est trompeur. Ouais. C'est clair. Du coup, je vais ranger le cuivre. Hein. Hop. Et Big Flo. Voilà. Bon, en vrai, je vais m'arrêter là. Pour ce soir, moi. Je vais m'arrêter là. Comment on save? Je me souviens plus comment on save. Déjà, bah ouais, bah ça va faire 5h41 de live, il est 1h24.
Save quand tu dodo. Ah, ça save chaque nuit. Ok, ok, donc là, ça vient de save. Ok, bah trop bien. Bon, c'était sympa la petite partie du just chatting au départ. Puis sort du valet. Au grand désespoir d'une partie du chat, bien sûr. Ok, messieurs, dames, je vais vous laisser là-dessus.